La dernière chose que je vais faire aujourd'hui, c'est, comme j'ai dit, un petit poème que j'ai écrit pour cette occasion au sujet de la fierté trans. Qu'est-ce que c'est, la fierté trans? Est-ce que c'est un jour de l'année? Est-ce que c'est une idée? Qu'est-ce que c'est? La fierté trans. Est-ce que c'est un docteur qui nous dit si oui ou non on est légitime? Est-ce que c'est une loi qui rend notre meurtre un crime? Qu'est-ce que c'est la fierté trans? Est-ce que c'est dignité? Je pense qu'elle est. C'est savoir que je suis qui je suis. Et je suis beau. Et bon. Comme tout le monde, au fond. C'est savoir que la qualité de vie est la chose la plus importante. Le bonheur, la vérité, la communauté, ça c'est la fierté trans. Et courage, tant de courage. Ma mère me dit que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais d'agir malgré la peur. Je la crois. Il faut que je la croie. Parce que chaque jour a assez d'ennuis, assez d'ennemis que je tiens dans mon cœur. Assez d'amour interrompu. Le courage, c'est la fierté trans. Et l'amour. Parce qu'il faut l'amour de soi pour vivre comme ça. Il faut le désir de bien vivre. Car avec la souffrance, on pense à autre chose. On rêve de bonnes choses, comme le bonheur et la compassion. Notre génération, prouvons que la fierté trans est vivante. Médecins, renseignez-vous de ce qu'il faut pour nous garder sains. Gouvernement, protège-nous. Nous avons besoin. Famille, mère, père, frères et sœurs, enfants, grands-parents, cousins, aime-nous. Parce que nous sommes merveilleux, sages, généreux, et nous savons aimer. Et l'amour, c'est la chose la plus importante, comme je dis fréquemment. Et tout le monde est bon au fond, tout le monde veut être content. J'ai pris note toute ma vie et tout le monde a réussi. Alors aime toi-même et tout autre monde. D'après tout, pourquoi pas? Si vous connaissez une manière de rendre la vie meilleure, bien sûr, tout à l'heure, faites-le. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Qu'est-ce
que ça veut dire? Ça veut dire de bien vivre. Ça veut dire liberté radicale. De bien vivre. Ça veut dire liberté. Ça, c'est la fierté trans. Comme j'aime être trans. Si je l'avais à refaire, je ne serais né que comme je suis. Tout à fait comme je suis. Sinon, je ne peux pas imaginer quelle sorte de je sais tout j'aurais devenu. La mauvaise sorte de fierté. Comme si j'étais quelqu'un de vraie importance. Au lieu de simplement quelqu'un de fierté trans. Je préfère la fierté trans. C'est honnêteté, c'est vérité, c'est humilité, c'est simplement bien vivre.